McGregor. C'est son surnom. Anthony Pettis. Mais c'est qui nous donne, je parle pas du rapport, je parle pas du tout, c'est la dernière fois que j'ai écouté sur mon portable. Ah j'adore ça, mais je sais pas c'est qui. Oh les mecs, on fait les hashtags et l'unanimité, c'est Jul. Ah, mais vous allez en parler pendant 10 ans de ça, c'est un truc de ouf. Allez, relève-toi. Je t'allumais. Super, c'est les cheveux là pour faire PNL. C'est que le début. Ok. Il lui fait presque sauter la tête avec ce pied. Ok, oh, je suis en train de le terminer, c'est chaud. Eh ben, il n'y a que deux là sur FIFA, c'est LG, tu vois. Mais non, mais j'en venais à dans deux minutes, j'arrive. Peut-être pas de dos, mais Crow, il arrive à la fin de son match. Oh, en train de se faire péter la gueule. Oh, bâtard. Attends, oh, j'ai le rec. Ah, mais c'est moi qui est en train de jouer contre toi, Crow. Regarde, droite. Non, gros, je vais rec, il se passe un truc de ouf. Je lui ai mis deux KO, je l'ai laissé se relever. Il m'a mis un KO, il a voulu me taper, mais je suis revenu. Attends, et t'inquiète pas, je vais l'enchaîner, du bâtard. Voilà, normalement, quand tu mets un KO, c'est terminé, non? Non, mais quand tu mets. Non, pas un KO, un knockout, si tu veux. Oh. Il enchaîne les frappes. C'est la même chose, je crois. Mais en fait, c'est pas drôle, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Eh, déjà, enlève ton micro de ton trou de balle. Si j'ai arrêté de vendre WWE au gros lard, t'imagines? Il y aurait des mecs qui l'auraient, ce serait lié dodo. Il y a encore dodo. La vie c'est vrai. Même avec l'online qui bug là, tu prends une chaise, ça se transforme en demi-chaise, hein. La vie UFC, on ferait des tournois et tout, ça serait grave fait. Combien c'est quoi? UFC? Moins de 30 euros, je vais lâcher demain. UFC? Non, pas UFC, écoutez, ils l'ont viré au moment où je voulais l'acheter. Sur le PSN? Il place un crochet. Je vais mettre sur un autre compte sinon. Ah bah, tu me passes à moi, tu me passes pas sur ça, t'es un fou toi. De quoi? Attends, je vais retourner, écoute. Moi je parle du WWE, un jeu de casse, c'est pas très seul, on a la jeu de casse, on fera tout en fond. Ok, c'est mort. Il fait combien sur lui? 70 balles, c'est fils de pute, il est pas. Ah, mais ouais, non, mais. Pas longtemps. En CD, tu peux l'avoir pour un cher. Wouah, oh gros. Eh, comme ça, tu parles très bien. Quel superbe round, c'est clair. Les deux adversaires ont failli l'emporter à tour de rôle. Ça n'arrive pas tous les jours. Ah, ouais, il coûtait 22 balles il y a pas longtemps, là. La vie, ouais, j'ai jeté sur Zago de la cage, ouais. Bon, ça me tâche, il prend un KO. Il est comme ça, lui, ah ouais. Je les connais même pas, il est un curé mystérieux, quoi, ça sert. Mais arrêtez, regardez ça, depuis quelques minutes, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? What's up, boy? Oh le bâtard. What's up, boy? Avec ton père, il va bouler en peignoir là pour faire une flair. What's up, boy? Oh le bâtard. Ouais, c'est serré de ouf ce match. Je l'ai enregistré. Il arrive avec ton fan beat, là il fait une entrée à chaque fois. Ah ouais, mais attends, si je l'enregistre, on va vous entendre. Ah ouais, j'en ai. Voilà ce qui arrive quand on ne protège pas assez son coup face à quelqu'un qui maîtrise les étranglements. Revoyons les dernières séquences du combat.